Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le grand jour, on est enfin le 15 novembre 2019 et Jedi Fallen Order vient de sortir, je l'ai téléchargé hier sur mon PC. Depuis hier je suis impatient de pouvoir le tester mais j'attends de pouvoir tourner cette vidéo pour vraiment le découvrir le plus possible le jeu en même temps que vous. Il y a plein de vidéos, plein de let's play qui sont déjà sortis sur YouTube, j'en ai regardé aucun, je veux vraiment pas me spoiler le jeu, que ce soit au niveau des graphismes, au niveau de l'histoire, à tout niveau je veux pas me spoiler. Donc voilà, je vais lancer le jeu, ça va être vraiment une pure découverte, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez être chaud pour d'autres épisodes parce que je sens que ça va bien me plaire. Mais voilà, on reviendra sur tout ça en fin de vidéo. Là, on va lancer le jeu, on va pas laisser le suspense monter trop longtemps. On va lancer le jeu et le tester tout de suite. Donc c'est parti. Ça y est, enfin! Ah, je suis content, je suis comme un gosse, ça fait grave longtemps! Hein. Ça faisait vraiment grave longtemps, j'avais pas attendu la sortie d'un jeu comme ça. Et du coup, je l'ai pris exprès sur PC, entre guillemets, pour pouvoir vous filmer tout ça. Parce que sur Xbox, ça aurait été assez compliqué. Du coup, je suis content. Je suis comme un gosse, je vous jure. Ah, nous vous conseillons l'utilisation d'une manette, évidemment. Bon, alors, c'est absolument pas pratique de jouer avec le. Avec les deux grosses softbox qui sont sorties, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va faire ça juste. On va baisser un peu le son pour que vous puissiez vous entendre, vous puissiez éviter de gueuler. Voilà. Ok. Mode histoire. Ah, d'accord. Expérience de combat minime. Chevalier Jedi pour les joueurs qui découvrent les jeux d'action et qui souhaitent une expérience de combat plus détendue, peut-être modifiée à tout moment. Pour les joueurs qui connaissent bien les jeux d'action et qui souhaitent un défi, peut-être à modifier à tout moment. On va se mettre en Chevalier Jedi, je suis pas un gros pro des jeux donc. Ah, faut rester appuyé. Allez, c'est parti. Ah, je suis chaud. Je suis comme un gosse. C'est nous ça, vous voyez. Écoute, je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A, les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super, on y va. Bon travail. Allez. Je suis juste derrière toi. Graphiquement, il est super beau. C'est vraiment impressionnant. C'est ouf, la qualité qu'on peut faire maintenant sur les jeux vidéo, c'est impressionnant, c'est juste ouf. Ah, t'en fais pas. Là-haut. Ah, je te double. Admire-moi ça. Un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu de Lucarol que depuis un bail. Ouais.
clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Tout va bien ? Ouais, ça va. Mais il n'y a plus d'échelle. Bah oui, merci. Merci. Pas de soucis. Je me débrouille. On se retrouve là-bas. Quittez cette barge immédiatement. On est pas un déchet à prouver. Je suis un déchet, mais pas à prouver. Ça commence mal, évidemment. Bon, par contre, il t'explique absolument pas les touches, rien du tout. C'est vraiment en mode débrouille-toi. Débrouille-toi, Marcel, c'est un peu limite. Hé, doucement. Je fais que passer. Ah, on peut sprinter. Te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Ouais, ça serait le jeu le plus rapide de la Terre. Ok, ah, des caisses de sang poubelle alors. Hein. Putain, fallait voir celui-là. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Ça fait plaisir de retrouver un peu tous les bruits de Star Wars et tout là, en attendant le film qui sort en décembre là. Ça fait plaisir de se... Mais Cal, je te retrouve aux pinces. Ça marche. Ouais. À tout de suite. T'as pas intérêt à te rater, hein. Oh. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? C'est de la discussion. Je crois que je me suis fail en fait. Ah non, si. À moins que je monte là-dessus, peut-être, je sais pas. Ah non. C'était pas ça qu'il fallait faire. Bon. Ok. Ah oh, putain. Je suis stupide des fois. Hé, le laser de chantier est là. En avant toute. Ah, les graphismes ils sont vraiment ouf. Hein. C'est impressionnant. Je vais répéter énormément dans cette vidéo, je pense. Mais c'est vraiment incroyable. Les décors et tout, c'est. C'est vraiment, vraiment incroyable. Allez, faut qu'on termine avant qu'il commence. Regardez-moi ça. C'est impressionnant.
C'est vraiment impressionnant de fou. Ce G, il va rentrer dans le truc, il va y avoir un accident, je sais pas, je le sens bien. Al, actionne le levier de contrôle manuel. Toi, t'attends un petit peu, s'il te plaît. Ça y est, à toi. Ah oui. Ok, passe fixé. Je dois faire l'autre. Ça va? Oh là. Toujours là. Bon. Tu m'as fichu la couille. C'est bon. Bouge pas, on occupe. C'est bon, viens me rejoindre. Et eh ben, sacré taf. Eh hey, viens, je tiens un coup d'œil. Je suis pas jaloux. Chasseur Jedi, c'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi là, depuis quoi, 4 ans 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. C'est Jedi, une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République en plus. Eh, fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. C'était quoi? Ah, je l'avais dit que ça allait péter, hein. J'avais cru. Jedi. Ah non. Ils auraient pu prévenir que ça, hein, quand même. Prof, tout va bien? Cal, je peux pas remonter. Prof, bah... accroche-toi. Je glisse. Non, ne lâche pas. Je vais pas tenir. Prof, non. Tout va bien, prof? Ça va. Mais, je suis coincé. Il n'y a plus de pilote. Je vais nous sortir de là. Accroche-toi. Attention, Cal. Attention. J'arrive à peine à voler. Tiens bon. Prof, ça va? Ouais. Oh, il a la force. C'est bien un Jedi. Ok, il faut qu'on... On doit bouger, ouais. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des prises sur les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Oui, d'accord. On doit faire attention. Il vient de te sauver la vie, tu baisses d'un ton direct. Hein, déjà. Voilà. Il faut se calmer un petit peu, les gens, on leur sauve la vie, et en plus de ça, ils veulent te vendre. Non, 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 non. Pas de ça chez moi. Tiens le coup, Cal. Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal. Ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça.
On en a pas mal bavé tous les deux. Enfin, c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici, t'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shaddaa. Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Il a disparu, il s'est endormi. Bon, du coup, faut pas que les gens sachent que je suis un Jedi. Prof ? Il faut que j'évite d'utiliser la force, les sabres laser, je l'ai pas encore, mais. Prof, attends ! Ah, il se bat. Reviens là, poteau, là. Où tu vas ? Oula. Sans mauvais, ça. C'est le côté obscur, ça. Non. Oh là. What the fuck? Je suis où là? Enfin. Ah, c'est lui qui est. Ça l'inquiète quand même pas plus que ça. Enfin, je veux dire, moi je me retrouve dans un bâtiment comme ça, je m'inquiète un petit peu. Oh là ! Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. Maître ! N'accorde ta confiance qu'à la force. Ouh là, ok. Il va nous trahir, il va nous... Ouais, et c'est mauvais signe. Il va nous trahir, putain. Oh là là là. Pardon, je vais éviter d'être... Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Putain, il nous a balancé, j'y crois pas. Wow, ils sont grave stylés. Oh. Ah. Ça, c'est un méchant, ça. Une méchante, pardon. Est-ce qu'ils sont tous là ? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde était présent sera alors. C'est pas la même chose. Sur le champ.
Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. Ah, j'ai le savoir. Ah là là. Content alors. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui. C'est vrai. Merde. Regardez-vous ça. Un sabre laser. Ah bah ça commence bien le jeu, c'est génial ça. Je maîtrise les Jedi. C'est quoi? Contrôle de la perturbation. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis tombé. On se calme. J'ai un fugitif. Eh, c'est pas la peine de le... Ah, te voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous, dans Star Wars. Allez. Prépare-toi, on le laissera pas passer. C'est le traître, abat-le. Tu peux pas faire... Voilà. Contact confirmé, abattez-le. Ça joue entre toi et moi, Jedi. Et là, reçu 5 sur 5. Alex, t'es fermé la porte. Merde, c'est pas le bon bouton. Ok. Il y a pas des trucs un peu au fond là avant? Parce qu'en fait depuis tout à l'heure je fume pas, depuis tout à l'heure je suis dans le jeu. Moi je veux tuer du monde là, je suis avec mon sabre laser, je suis un Jedi les gars, ça y est. Pas le choix. Faut y aller. Ce genre de scène d'interaction un peu là. Voilà. Par ici, il ira pas
par là, c'est obligé, il y a les... D'accord, c'était de l'autre côté, c'est pareil les gars. Un peu bête. Ce logo, je sais pas s'il veut dire quelque chose au sol, mais c'est pas vraiment que je le vois. Va à l'avant. Arrête le train. Ok. Oh non! Il me faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant. Il me casse la gueule, on l'a vu ou pas? Plus vite. Ah ouais, non mais d'accord, je pensais pas qu'il allait me tuer en fait. Mais c'était con, j'aurais pas pu me cacher derrière ça, c'était un truc qui explosait. Ils vont me remettre où? Il faut monter. Forcément, hein. Okay. Merci. Faut pas trop chercher à comprendre, il y a des gens qui viennent t'aider, dis oui. Voilà, juste
faut savoir dire oui, j'ai besoin d'aide. Voilà. Oh, tu te calmes. Salut les copains! Voilà, ça qu'on veut! Ah ben. Voilà, ça qu'on veut, j'ai déjà dit, gros. Les copains, ils vont les tuer. J'aime beaucoup les actions et tout, en tout cas franchement il est vraiment splendide. Oh là là, je suis à fond encore. Bon, il se passe quoi encore? On s'est arrêté? Ah. On s'est ouvert partout, j'aime pas trop ça mais... C'était le faucon... Ah non, on aurait dit faucon millénaire. Et voilà, je l'avais dit, hein. C'était sûr. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une C'était Julian. Spark l'aventure. Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Ah mais c'est vraiment un duel. Oh merde, mais je pensais pas en fait. Waouh, waouh, waouh. Je te détruirai. Tu ne pourras pas toujours fuir. C'est le dernier coup que tu portes. Ah mais elle m'a défoncé, j'avais pas vu.
Très bien. Alors éteins-moi ce truc. Bah voilà. Et assieds-toi. C'est la politesse au bout d'un moment. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement ? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va ? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu ? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui ? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas, tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça ? Et pourquoi vous m'aidez ? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des Inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui ? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment ? Non, mais t'as entendu ça ? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi ? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Vous deux ? Et personne d'autre ? Oh, on n'est pas assez bien pour toi ? Et le Conseil Jedi ? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Bogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Ouais, et je suis bon. Je devine les dialogues. Pour l'instant. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Je voudrais m'excuser auprès de prof. Hein. Je pensais qu'il nous avait trahis. Que tu causes en dormant. Cinglé. Hein, je voudrais vraiment m'excuser auprès de prof. Je suis vraiment désolé. En plus, il est mort pour nous, donc... sorry. Excuse me, rest in peace, dude. Bon, les amis. Hop. On va arrêter là pour cette première vidéo. Voilà, je pense qu'on a, on a découvert le jeu. Voilà, on va s'arrêter là parce que je veux pas trop en spoiler, je veux pas trop me spoiler même si j'ai encore envie de jouer pendant 3 heures. Mais voilà, pour l'instant on va s'arrêter là, on reprendra la suite dans une prochaine vidéo, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Bon voilà, j'ai tourné à peu près 40 minutes de vidéo. Vous avez vu, il n'y a pas de cut en fait, je veux vraiment vous laisser l'expérience telle quelle du jeu. Même avec mon expérience à moi, il y a des insultes et tout, je suis désolé. Mais j'ai vraiment envie de laisser l'expérience telle quelle et de pas cut trop parce que sinon ça va vous niquer un peu l'expérience du jeu. Donc du coup, si vous comptez jouer au jeu, effectivement, c'est pas forcément les vidéos à regarder. Clairement, parce que si vous comptez jouer au jeu, vous allez vous faire spoiler tout le jeu. Mais si vous comptez pas acheter le jeu, ça vous fait quand même des vidéos sympas à regarder, je pense. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une suite. Ça me fait vraiment grave plaisir. Déjà, un avantage, c'est que c'est très facile à faire comme vidéo puisque je prends du plaisir à jouer. Il y a vraiment pas trop de montage à faire à part synchroniser l'écran de mon PC avec la caméra. Et ça, je pense que je devrais y arriver. Mais il y a pas trop de montage à faire et ça fait des vidéos bonus malgré tout. Je pense que voilà, une petite vidéo tous les mercredis, genre 17h, je pensais faire une vidéo tous les mercredis 17h. Celle-là sort un dimanche pour voilà, pour vous donner une première expérience de jeu et pour vous donner envie. Mais si vraiment ça vous plaît et que vous êtes tenté de voir le gameplay de ce jeu, je pense que je ferai une vidéo tous les mercredis 17h pour vous faire un peu des vidéos bonus et pour vous remercier aussi de votre fidélité. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, vraiment ça me ferait grave plaisir d'avoir vos retours et de savoir si oui ou non on continue cette série ou alors si je dévore le jeu en une seule journée. Voilà, dites-moi tout. Dans tous les cas, moi je vais vous laisser là parce que même si j'ai vraiment très envie de continuer à jouer, vraiment, mais je vais me retenir, je vais m'en garder un petit peu. Il est vraiment très très bien pour l'instant, je suis grave content. Si c'est pas encore fait, on s'abonne, on active la cloche pour ne plus rater tous les dimanches à 10h30 et peut-être tous les mercredis 17h pour les let's play de Star Wars Jedi Fallen Order si ça vous plaît, bien évidemment. Je ne sais pas, peut-être ça vous plaira pas. Si la vidéo vous a plu, le gros pouce bleu en commentaire, comme d'habitude, comme je vous ai dit, mettez du coup si vous voulez la suite ou pas de ce jeu, si vous allez regarder ou pas, et si le mercredi 17h ça vous convient. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, c'est un milieu de semaine, ça coupe un peu la semaine, c'est cool. C'est cool. Bref, de toute façon on se revoit dimanche prochain pour, ou peut-être mercredi prochain, on ne sait pas, je ne sais pas. On se retrouve dimanche ou mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine, tout simplement. Ciao.